Et salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue aux commandes de cet illustre inconnu qui est potentiellement, j'imagine, le père de Terra. Et nous sommes, je vous le rappelle, dans le pays des chimères. C'est un flashback entre guillemets de Terra. Alors allons voir, hein, allons explorer la zone, allons voir ce qui m'attend. Bonjour. Martim, il y a quelqu'un de l'autre côté du portail. D'accord. Donc apparemment, non, je m'appelle Martin. Ah, une humaine. Eh, hey, tiens bon, mais c'est une humaine. Laissez-la, je m'en fous. Donc vous commencez à deviner qui est Terra. Vous allez voir, si vous n'avez pas compris, vous allez voir. Elle est encore très faible, elle doit se reposer. Coucou. Je t'ai réveillé ? Es-tu une chimère ? Oh ! Quel est ce pendentif autour de mon cou ? C'est un cadeau que je te fais. C'est un talisman du monde des chimères. Le monde des chimères. Voilà donc où je me suis égaré. Tout le monde se demande comment une humaine est parvenue dans notre monde. Tu es celui qui m'a porté au secours ? Je m'appelle Madeline. Le monde des humains me répugne. Ah, merde, j'ai passé. J'ai erré sans but dans la tempête et j'ai fini par m'effondrer de fatigue dans une grotte. On dit que les chimères et les humains ne peuvent pas coexister. Alors, je ne peux pas rester ici ? Je n'en suis pas certain. Je retournerai chez moi demain. D'accord. Quelqu'un te raccompagnera. Que me veux-tu, toi ? Elle est déjà partie. Je me demande si elle pourra rentrer chez elle toute seule. Quoi ? Attends-moi ! J'imagine qu'on va sûrement le visiter à un moment donné, le monde des chimères. Qu'y a-t-il, Martin ? Rien, rien. Je vais chercher Madeleine. Si tu ne veux pas retourner chez toi, tu es la bienvenue parmi nous. Mais les humains et les chimères ne peuvent pas coexister. Comment pouvons-nous en être certains sans essayer ? Comment pouvons-nous ? On dirait presque une chanson à la Disney. En être certains, vous savez, en train de chanter là, en dansant comme ça. Sans essayer. Et voici comment est née Terra, fruit d'une humaine et d'une chimère. J'ai choisi son nom. Qu'est-ce que c'est ? Terra. C'est un joli nom ? 2 ans plus tard. Des humains ! La barrière qui sépare nos mondes doit s'être affaiblie. Cette tempête me rappelle celle d'il y a 2 ans. L'Empire. Mais cette fois, la situation n'est pas la même. Des soldats veulent s'emparer de nos pouvoirs. Bah, défendez-vous! Malédiction, réfugions-nous dans la résidence de l'ancien. Mais défendez-vous! Enfin, vous êtes des chimères, nom de Dieu! Ah, j'y suis enfin arrivé. Après tant d'années passées à chercher l'entrée menant au monde des chimères, il est temps de recueillir le fruit de mon dur labeur. Capturez-les! Tous! Tous ceux qui ne ramènent... Capturez-les! Tous ceux qui me ramènent une chimère seront récompensés! Je m'occupe de Terra. Très bien. Oh, l'attaque! Je pensais ne pas avoir un jour à en arriver là, mais il ne nous laisse pas le choix. Vous allez sceller le portail? Oui, je vais invoquer une tempête pour expulser les envahisseurs et ensuite je vais sceller le portail. Une seule lignée de chimères possède le pouvoir de créer un sceau d'une telle puissance. J'en suis le dernier survivant.
À votre âge, c'est trop dangereux. Il se peut que je ne survive pas. Il se peut que je ne survive pas. Sans moi, il vous sera impossible de rouvrir le portail. Madeline. Je ne regrette rien, ma famille est ici. Alors c'est décidé, nous n'avons pas d'autre choix. Ouais, enfin... Tout est la faute de cette humaine. C'est absurde! Qui sait, elle les a peut-être menés jusqu'à nous. Assez! Non, elle est comme eux! Elle voudra un jour s'emparer de nos pouvoirs, elle aussi! Oh non! Où est-elle passée? C'est quoi, des coffres, ça? Ah non, c'est la table. Où est-elle passée? Madeline, Madeline, Madeline... Où vas-tu? Madeline, elle est partie. Oh non, il est trop tard. Le sceau sera activé d'un instant à l'autre, tu ne pourras pas revenir. Je m'en moque. Nous allons nous faire aspirer. Non, le trésor ultime était pourtant à ma merci. Madeline! Martim, je ne suis pas comme eux. Je sais. Merci. S'il te plaît, rentre avec moi. D'accord. Terra! Madeline! Une jeune femme? Avec... un enfant? Non. Non! Laissez notre fille tranquille! Votre fille? Serait-elle donc mi-humaine, mi-chimère? Fascinant. Mon rêve d'établir un empire se réalisera peut-être plus tôt que je ne le pensais. Non! Tais-toi! Ouh! Le monde m'appartiendra enfin. Et elle se souvient de tout ça, Terra, alors qu'elle était bébé? Père. Je suis né de l'union d'une chimère et d'une humaine. C'est pourquoi j'ai ces pouvoirs. Je devrais être capable de les contrôler si je ne les utilise que pour une courte durée. Gestal connaissait donc le secret des chimères depuis tout ce temps. C'est ce jour-là qu'il a capturé celle qui était dans le laboratoire. Et les pouvoirs de Céleste proviennent d'une d'entre elles. Gestal paiera pour ses crimes. Je meurs d'envie de lui donner une bonne raclée. Est-ce que tout va bien, Anarch? Nous devrions peut-être aller vérifier. L'aéronef est à votre disposition. Allons-y! Oh! Vous voulez essayer? Je vais vous expliquer. Alors, faites glisser votre... bon, d'accord. Les boutons haut et bas vous permettent de changer d'altitude. Appuyez sur le bouton aéronef pour remonter à bord, où vous pourrez modifier votre équipe et acheter des objets. Pour descendre à terre, appuyez sur l'aéronef lorsqu'il s'arrête et qu'une flèche orientée vers le bas s'affiche. Pour monter à bord, appuyez sur l'aéronef lorsque la flèche orientée vers le haut est visible. Avez-vous compris? Oui. Bon, voulez-vous que je vous montre des techniques spéciales? Ouais, vas-y. Appuyez sur la carte de navigation pour agrandir, réduire la carte du monde. Lorsque vous appuyez longuement sur l'écran, en contrôlant l'aéronef, le pavé directionnel change de couleur.
Faites alors glisser votre doigt pour déplacer l'aéronef dans 8 directions sans changer de cap. Cette technique est particulièrement utile pour atterrir. D'accord. Je veux bien changer l'équipe, moi en revanche. On va visiter déjà l'aéronef. Voulez-vous retirer l'équipement de vos alliés? Non, on touche à rien. Je voudrais changer l'équipe. Je ne joue pas, je suis en train de planifier notre stratégie. Oui, changer les membres de l'équipe. Donc déjà, je veux Terra, ça c'est clair. Ensuite, je prends Sabine, ça c'est clair. Alors, Setzer, il me fait un peu penser à Alucard, il est pas mal. Mais sa compétence jackpot ne m'intéresse pas vraiment, pour être honnête. Alors, au contraire, par exemple, de Cyan, qui lui est un bon combattant. Et là, j'hésite entre Edgar et Locke. Pourquoi? Edgar, je dirais qu'il est beaucoup plus classe. J'aurais presque envie de le prendre lui. Mais l'avantage qu'il y a avec Locke, c'est que c'est un voleur. Donc ça me permet quand même de voler pas mal d'objets. Notamment, il peut y avoir certains boss avec des objets uniques. Donc je pense qu'à choisir... Je vais prendre Locke. Il y aura Sabine pour les attaques de zone, Cyan pour faire les gros dégâts, Locke pour faire les dégâts subtils et voler, et Terra pour tout ce qui est magie et soins. Donc on va faire comme ça, confirmé. Voilà. Alors, pour être sûr au niveau des soins, quoique, remarque, elle a peut-être pas besoin vraiment. On va peut-être lui apprendre plutôt de la magie. Alors attendez. À la limite, ce que je peux peut-être faire, c'est lui apprendre ça, voilà. Ouais, je vais faire ça. Elle va les apprendre assez vite. Ah non, vie, elle l'a déjà comme... Ah bah non, alors dans ce cas, non, si elle l'a déjà, on va lui mettre Ramu. Ça me paraît bien. Shiva, Ifrit, Kirin, très bien. Au niveau de l'équipement, par contre, parce que Terra, maintenant, elle est un peu en retard. Pour ne pas dire beaucoup. On va lui mettre une quoi d'ailleurs? Cryo, Pyro ou Réo? Allez, une Réolame avec un bouclier de mithril. 88. Ok, donc ça augmente beaucoup la défense magique et la parade magique. Et là, ça augmente beaucoup la parade. On va peut-être mettre ça, la parade. Alors, 135, 133, 128, donc une robe blanche. En plus, ça augmente la magie, c'est parfait. Il va falloir les bottes de course pour Terra. Et la bague du héros. Elle augmente la puissance des attaques physiques et magiques. Voilà, nickel. Lupin, donc toi, les bottes de course, tu n'as pas besoin. On va lui mettre le bracelet de voleur. Il augmente les chances de réussite de la commande. Ah ouais, non, c'est de la commande volée. Moi, c'est la commande volée, je ne l'utilise pas vraiment... Gant de brigand peut-être. Il transforme la commande volée en pillée. Limite, on pourrait peut-être lui mettre ça. C'est-à-dire que pillée, je crois que ça vole de l'argent, il me semble. Je crois que c'est ça. Hein. Bon, on va lui mettre ça en attendant, puis on verra. Bon, vous, il n'y a rien à changer. Non. Ok. Donc voilà pour l'équipement. On m'a dit que je pouvais acheter des objets. Où donc puis-je acheter des objets? C'est quoi cette table de jeu là? Ça sera au casino. Bon, visiblement, c'est pas ici que je peux acheter des objets. Je visite, hein. Je suis sûr que vous aussi, ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qu'il en est. Du vaisseau de notre cher Setzer. Donc là, c'est là où il y a toute l'équipe. Ah! C'est un plaisir de vous avoir à bord. Alors, qu'est-ce que tu... D'accord, donc ça, c'est pour soigner. Très bien, merci. Et là... Ok, nickel. Alors, des potions plus, on va en prendre. Donc, on va voir combien je peux en prendre. Ouais, c'est pas raisonnable d'en acheter autant. Bon. Alors, on va en acheter une vingtaine. Voilà. Éther, j'en ai 7. Eau bénite, fumigène, pierre de renvoi. Téléporter hors d'un donjon ou de fuir un combat. Ça, je vais en prendre une dizaine aussi. Voilà. Et on va s'arrêter là pour l'instant. Ok, très bien.
rattrapage vous coûtait cher. Hein. Ne pas ouvrir en cours de vol. Ok, donc là c'est la porte d'entrée, très bien. Là, c'est quoi? Salle des machines, visiblement. Et on arrive ici, ok. C'est par là qu'on était arrivé dans l'aéronef. Ok, d'accord. Très bien. Bon, bah écoutez, on va prendre les commandes de l'aéronef. Je trouve que c'est un peu tôt pour avoir déjà les commandes de l'aéronef, mais bon, pourquoi pas, hein. Alors, bah du coup maintenant on peut aller un peu où on veut. Voyons, donc là c'est le château. Là, on a déjà été. Là-haut, j'avais été en off. C'est là où j'ai récupéré l'anneau de héros. Là-bas, c'est donc Narch qui est juste là. Oui. On va faire un petit tour de map, hein, histoire de reconnaître un peu les lieux. Puis on verra ensuite après. Est-ce que j'ai été là? Non, je crois pas. On va essayer là. Allez. Alors déjà, première chose, je vais sauvegarder déjà. Parce qu'on sait pas ce qui peut m'attendre, hein. Autant c'est une zone où je suis pas censé être et les mobs vont être super forts et me péter la gueule. Bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis un marchand ambulant, tout le monde me connaît dans la région. N'êtes pas des environs? Non, pas vraiment. Peu importe. Bah oui, vas-y, qu'est-ce que t'as à vendre? Un potion, queue de phoenix, shuriken, kagebushin, botte de course, agakure, j'en ai un, chapeau à plumes. Voilà. À bientôt. Bah à bientôt, écoute. Hein. Et là, bonjour. Vous venez réparer ma porte? Ah mais si, j'en avais déjà été. Lui, il me dit quelque chose avec ces histoires de portes. Si. D'accord. Bon, ben, on continue la visite. Qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? Ah oui, ça devait être le château. Quoique... Est-ce que c'était le château de Sian, ça? Non. Allons voir. Atterrissage. Quel est cet endroit? Château de Doma, oui, c'est ça. Ok. Quelle est cette île en triangle, là, en haut à droite? D'accord. J'imagine que c'est une île où les mobs sont... plutôt balèze et il n'y a pas l'air d'y avoir d'entrée de grotte, donc on ira voir ça un peu plus tard. Qu'y a-t-il par là? Est-ce qu'on a été ici? Je me rappelle pas, hein, je sais pas du tout. Je sais plus où on a été, où on n'a pas été. Alors on va aller voir, on va aller revisiter. Si j'ai été, désolé, ça fait une petite redite, mais... Ah bah oui, c'était le ville. Oui, bien, Farage. C'était la ville où on a acheté la viande pour notre ami... Là, en revanche, je n'ai pas été. Ça, j'en suis sûr. Tamaza. Bonjour! Alors, avez-vous des armes à me vendre? Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Ça veut tout dire. Toi, j'imagine que tu vas dire pareil. Tu m'as jamais vu dans le coin. Bon, il va falloir qu'on se fasse aimer des habitants si on veut acheter. Si on veut pouvoir acheter. Des trucs. Bon, vous parlez pas aux étrangers, visiblement. Alors, voyons. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Bonjour. Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Bon, bonjour l'amabilité, c'est sûr que vous allez voir personne, hein, si vous les accueillez tous comme ça. Hé, hey, oh,
Le propriétaire de l'auberge déteste les étrangers. Il leur fait payer un prix exorbitant. Et pourquoi? Il y en a d'autres qui aiment les étrangers ici, j'ai pas l'impression. Hein. Je vais voir, juste pour rigoler. Vous n'êtes pas d'ici, vous. Cela vous coûtera 1500... Ça va pas ou quoi? Non mais... t'es pas bien, toi. Attendez, un arche, ouais. Non mais t'es pas bien, je vais pas payer 1500 gils pour une nuit. Faut pas déconner. Maison du maire. Alors, pourquoi vous n'aimez pas les étrangers? Je ne vous ai jamais vu dans le coin. Bah oui, mais enfin, t'es le maire, un peu de diplomatie, nom de Dieu. Pas de passage secret, apparemment. Bon, bah écoutez, c'est sûr, tu risques pas de me revoir, hein, avec une amabilité pareille. Qui êtes-vous? Ok, pourtant tu es différent toi, mais bon, bah, d'accord. Je suis moi, c'est Farage. Et toi, ça va? Bon. Peut-être faudra-t-il retourner plus tard dans ce village, je ne sais pas. Bonjour. Allez-vous-en! Mais... Ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la mercerie, j'imagine que tu veux pas, tu m'as jamais vu dans le coin. Bon, bah écoutez, bon, bah d'accord, on reviendra une autre fois dans ce village, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Ah, mais... Nanana, nan. Ensuite, là en bas. Alors j'imagine qu'il y a des îles cachées et tout ça, hein, mais j'irai voir plus tard. Donc ça c'est le pont, on y avait été. Quoique on pouvait pas le traverser, je crois, le pont à cette époque-là. Il me semble, hein, c'était protégé par l'Empire. Hein. Je crois qu'on pouvait pas le traverser, ouais. Là il y avait, je sais plus trop quel village, mais ici on avait été, ça c'est sûr. Ah, ça en revanche... Ah, c'est la capitale de l'Empire, ça. Là en revanche on n'a pas été, je crois. Ça me dit rien, allons voir. Il a peut-être été remarqué. La plupart des jeunes gens ont été recrutés dans l'armée impériale. Ouais. J'ai un doute, hein. Je me demande si on n'y a pas été. C'est pas impossible. Quand j'étais gamin, mon grand-père m'a parlé d'un immense portail. Il a dit qu'il était situé au fond d'une grotte sur la côte est du continent. D'accord, c'est là où était le pont où est passé mon fils. Je lui ai pourtant dit qu'il était dangereux de jouer à l'extérieur avec tous ces soldats dans les environs. D'accord, c'est le pont qui était gardé. J'imagine qu'on va devoir y aller pour trouver un moyen d'ouvrir le portail à un moment donné. Toi, stop! Stop, ta mère te cherche! Bah d'accord. Snob-moi, je te dirai rien. Bonjour madame. Ah, intéressant ça. Armée de mithril, plastron de mithril, non, tunique de ninja, robe blanche. Alors, le mithril de sage. Apparemment, Sabine a l'air d'aimer. Et les armées de mithril, 1, 2, donc je peux en acheter 3. Et on va voir ce que ça donne. Équipé. Donc Terra. Armée de mithril, 136, bon ça vaut pas le coup. Sage armée de mithril. Putain, ça vaut pas le coup du tout en fait. Je les ai achetés pour rien. Sian. Peut-être toi à la limite. Armée de mithril. Non, même pas. Bon, dans ce cas, on va vendre pas mal de choses, je pense. On va essayer un peu. Alors, voyons voir. Dag. Ça se revend pas cher, mais écoutez. On va revendre un peu l'équipement. Voilà. La main gauche. Ça doit être unique, alors on vend pas. Ashura. On vend. Griffe de métal. Je vends. Bouclier large. Hop. Casque. Ah, aujourd'hui, c'est l'épisode un peu détente. Hein. Vous avez eu votre lot d'histoire avec la naissance de Terra. Maintenant,
il est temps de profiter, faire des emplettes et vendre ce que l'on peut vendre. Cuir. Armée de fer. Voilà. Ça je vends pas. Spat, une épée à large lame. J'en vends. L'épée de mitril, je vais peut-être la garder. Robe de coton, je vends. Targe, ça sert à rien. Boucle magique, griffe de mitril, je vends. Plastron de mitril, je vends, quitte à devoir en racheter plus tard. Côté dessous, hop, il y en a pas eu besoin. La dague éolienne. Ouais, je peux la vendre. Ouais. Le kunai. Je le vends. La lance de mitril. Je la garde pour l'instant. Griffe de Kaiser. C'est toujours moins puissant que celle que j'ai, sinon je l'aurais équipé. Bouclier de mitril. On vend. Béret vert, je garde pour l'instant, mitrille de salle je garde, épée runique, riolam, armée de mitrille, les armées de mitrille je les revends. Voilà, bon en revanche peut-être pour les armes, ce sera plus intéressant, allons voir. Alors, une dague éolienne, non, pleine lune, épée bâtarde, boomerang, ouais, bon. Je préfère rester avec la dague plutôt qu'avec le boomerang, bon bah... D'accord, on a fait le tour du village, on s'en va. Alors, là en bas, qu'y a-t-il maintenant? Oui! Youhou! Allez! Hop là! Est-ce qu'on y a été dans ce village? Ça ne me dit rien, je crois pas qu'on ait été aussi bas. Donc allons voir. Maranda. Ça ne me dit rien, très honnêtement, je pense pas qu'on y soit allé. Quoique. Ah! Quoique, s'il n'y a rien dans l'horloge, c'est peut-être qu'on y a déjà été. Je me rappelle plus. Bah, de toute façon, il va y avoir un moyen très simple. On va voir l'équipement. Eh! Non, vu ce qu'il vend, j'ai pas dû y aller. Ouais, non, vu ce qu'il vend, j'ai pas dû y aller, ça c'est clair. Côte de mitril, je peux en acheter 3. Alors, équipé. Côte de mitril. Ouais, 139, ça vaut pas le coup, mais peut-être pour eux, ça vaut le coup. Ça me baisse la vitesse, mais ouais, ça vaut plus le coup. Voilà. Et au niveau des armes, du coup... bon, je sais que je parle pas trop aux gens... D'accord, ils font un combat de chien, ok. Je sais que je parle pas trop aux gens pour l'instant, mais... on fera ça plus tard. Lance de mitril, trident, griffe toxique, épée bâtarde, boomerang, bon. Non. Ok, il va me falloir de l'argent d'ailleurs. Hein. Pourquoi il y a un pigeon là-haut, excusez-moi. Bonjour. Madame. Mon fiancé n'a pas répondu à la lettre que je lui ai envoyée. Je suis si inquiète. Et tu confies toujours tes états d'âme à la première venue? Ah ah ah. Laisse la demoiselle tranquille. Il veut absolument que je l'épouse. Bon, d'accord. Ok. Ok, ok. Bon, on va faire le tour de la map. Là, c'est un tour assez rapide de la map. Hein. Après, on s'y attardera un peu plus. Notamment pour des combats ou autres. Donc là, après, c'est l'opéra. Si, c'est l'opéra. Si. D'accord, ok, 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 ok. Bon, donc dans ce cas, direction Narche. Eww. Comme il l'a dit, c'est pratique pour atterrir. Tac, 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 voilà. Parfait.
Bon, ben les amis, on ira voir comment va la ville de Narche dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. Et moi, je vous dis rendez-vous la prochaine fois. Salut tout le monde!